Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo. Je vous propose dans cette vidéo eh bien, une séance avec le Toy Board. Une séance un petit peu différente de d'habitude où on travaille tout le corps. Ici, on va travailler uniquement eh bien, le centre du corps, les abdominaux et le dos. On a une grosse base pilate ici dans cette séance. Donc, préparez votre Toy Board, mettez-vous en tenue de sport. Vous pouvez prendre également un tapis pour cette séance. D'accord ? Et comme d'habitude, on fait la séance ensemble. Avant d'attaquer cette séance, je me présente rapidement, je suis Fabien G, fondateur du Programme 66, des programmes de sport en vidéo. Si vous avez des objectifs comme perdre du poids, augmenter vos performances sportives, renforcer votre dos ou être plus tonique, si vous voulez être plus mobile, plus souple ou tout simplement être plus en forme, eh bien, je vous invite à prendre un rendez-vous téléphonique avec moi. Lors de ce rendez-vous téléphonique, eh bien, on pourra discuter ensemble des stratégies que vous pouvez mettre en place pour atteindre eh bien, ses objectifs. Et lors de ce rendez-vous, je vous expliquerai eh bien, également comment je travaille. Pour prendre rendez-vous, vous avez plus de détails juste sous cette vidéo. En attendant, eh bien, on attaque cette séance de renforcement du corps avec le Toy Board. A tout de suite. C'est parti, vous êtes prêts? Allez, let's go! On se place eh bien, au sol, on va venir poser les pieds sur le Toy Board. Hop. On pose bien les pieds dessus, on se place à une distance confortable du Toy Board. On vient monter le bassin d'un bloc, donc on garde son creux lombaire, on monte le bassin d'un bloc. Hop. On allonge la jambe droite, on repose, on allonge la jambe gauche, on repose et on redescend les fesses au sol. On monte d'un bloc, on garde son creux lombaire, tac, hop, on monte, on allonge une jambe, on a les deux cuisses, hop, l'une à côté de l'autre, on allonge l'autre jambe, tac, et on repose, tac, d'un seul bloc, donc on garde bien son creux lombaire, contrairement au pilates où, eh bien, on mobilise la colonne vertébrale, on engage les fessiers, on allonge une jambe, on revient, on allonge l'autre jambe, on revient, et on contrôle la descente, encore, on repart. On pousse, on monte, on allonge une jambe, tac, hop, et on repose. On reste fort, bien les fessiers engagés. On allonge l'autre jambe, tac, parfait, et on contrôle. On pivote sur le côté, on vient se mettre assis sur le Toy Board. Alors, on lève les jambes, on décolle les pieds. Vous allez pivoter vers moi et allonger la jambe la plus éloignée de votre écran. Et on change de côté. On pivote de l'autre côté. Et on allonge une jambe. Donc, à l'équilibre, ok, ici. Donc, on pivote par exemple à droite et on allonge la jambe gauche, ok. Pour l'instant, on se concentre juste là-dessus. Et en pivotant, donc si vous pouvez pivoter vers la droite, vous posez la main gauche sur le genou droit. Si vous pivotez à gauche, vous posez, eh bien, la main sur la cuisse, tout simplement. On pivote, on allonge et on revient. Donc, les pieds levés. On soulève un petit peu plus la poitrine. On va commencer à chercher l'autograndissement. On place notre exercice. Dernière fois. Parfait. Alors, on va venir se mettre à plat ventre sur le Toy Board. Vous allez rentrer le ventre. Donc, hop, tac. Comme je rentre le ventre, on va avoir un petit espace entre le Toy Board et le nombril. On y met une petite bulle d'air imaginaire. D'accord ? Le menton dépasse du Toy Board. On allonge les bras, on rentre le ventre, on place cette bulle d'air. On décolle bras droit, jambe gauche, et on repose. Bras et jambes opposés, donc bras gauche, jambe droite, et on repose. On expire, et inspire, on repose. On souffle, et inspire, on repose. Pour l'instant, vous vous concentrez juste sur une seule chose, c'est le fait de garder le ventre rentré. La petite bulle d'air entre le nombril et le tapis. On se concentre uniquement là-dessus. On garde le ventre rentré, on souffle. On souffle. C'est ça encore. Parfait. On se redresse. On vient se mettre sur notre Toy Board. Donc toujours dos au sol. Les pieds chiens posés dessus. On y va. Montée de bassin. Allez, on pousse. Hop, on allonge, on engage les fessiers, on allonge jambe droite. On repose, on allonge jambe gauche, on repose et on contrôle la descente. Allez, on monte le bassin,
On engage les fessiers, on allonge une jambe. On repose, on allonge l'autre jambe. On repose, hop. Tac. Allez, on monte, fessiers haut. Hein. Et pendant que vous allongez une jambe, on redescend pas les fesses vers le bas. On reste haut, on reste bien en appui sur le toy board. Allez, on monte, tac. On allonge, on pose. On allonge, on pose et on contrôle la descente. Allez, on monte, on pousse. Tac, on allonge. Allez, c'est la dernière. Parfait. Et on repose. On pivote sur le côté. On vient se mettre assis. Allez, on twist. Donc d'abord, on décolle les pieds. On reste en équilibre, bien sûr, sur le toy board. On pivote. Tac. Et on allonge l'autre jambe. On pivote. Et on allonge la jambe opposée. Donc je tourne à droite, j'allonge la jambe gauche. Et inversement. Alors, on a dit qu'on venait poser la main sur la cuisse. En posant la main sur la cuisse, vous allez vous grandir. Auto-grandissement. Donc à chaque fois que je pivote, ben je prends un peu appui ici sur ma cuisse et je me redresse. Et je me redresse. Hop. Et on tourne, on tourne, on tourne. Donc j'allonge bien la jambe. J'appuie la main ici sur la cuisse. Hop. Et je me grandis. Donc je prends l'appui. Je me repousse un tout petit peu hein, de la cuisse. Je cherche, hop, l'auto-grandissement. Parfait. Vous sentez le travail dans la sangle abdominale? On vient se placer ici. Donc le ventre sur le toy board. La tête dépasse. On rentre le ventre. Hop. On place notre petite bulle d'air imaginaire. Et puis on y va. Décolle un bras et une jambe opposée. Et on essaye donc d'être le plus stable possible. En décollant, bras et jambes opposés, d'accord? Et votre focus, c'est toujours donc hop, de garder le ventre rentré. On ne relâche pas le ventre, d'accord? L'objectif, c'est de renforcer les muscles profonds de la sangle abdominale et du dos. Donc, on garde le ventre rentré, on gaine tout ça. On expire en faisant la buée sur une vitre. On souffle, d'accord? Et puis, on lève, bras et jambes opposés. Hop, en essayant de ne pas trop eh bien basculer à droite ou à gauche. On souffle. Dernière fois. Parfait. Hop, on se redresse. On pousse sur les bras. On vient se mettre donc sur le dos. Toujours les pieds sur le toy board. On y va. Allez, c'est parti. On pousse. On monte le bassin. On allonge. Jambe droite. Jambe gauche. Et on redescend. On part tout de suite. Là, on stabilise. Tac. Jambe droite. Jambe gauche. Hop. Tac. Puis après, vous pouvez alterner gauche, droite. Hein. Vous n'êtes pas obligé de commencer toujours par la droite. Vous pouvez faire une fois droite, gauche. Et après, une fois gauche, droite. D'accord? Ça ne changera rien dans le travail. Ce qui est important, voilà, c'est de bien sentir l'engagement des fessiers en haut, de bien monter le bassin, l'auto-grandissement. On reste stable hein, au niveau de ses appuis. Tac. Hop. Hop. Parfait. J'ai un petit niveau 2. Niveau 2, vous amenez les deux mains au-dessus des épaules. Hop. Hop. On utilisera ce niveau 2. Hop. Pour la série suivante. Ça marche? On pivote sur le côté. On se redresse. Allez. Twist. On se place bien. Hop. On décolle les pieds. On est parti en twist. Donc on prend appui ici pour chercher à se grandir. Auto-grandissement. Et vous allez même maintenant essayer d'appuyer un petit peu plus. Vous allez appuyer la main sur votre cuisse et appuyer sur votre cuisse sur votre main. Et on tourne. Hein. Vous tirez un coude vers l'arrière. Souffle. Et n'oubliez pas de chercher à vous grandir. En appuyant la main sur la cuisse, vous allez vraiment sentir qu'on pousse beaucoup plus ses fesses sur le toy board. Vous allez vraiment sentir l'auto-grandissement et l'engagement au niveau des obliques. Hein. Vous allez sentir que ça se contracte vraiment ici au niveau de la taille. Parfait. On y va. À plat ventre. Swimming. Donc la petite bulle d'air. Hop. On souffle et on revient. On souffle et on revient. Ça, c'est le niveau 1. Niveau 2, on alterne droite et gauche. Inspire, souffle.
Donc, je monte un bras et une jambe, et pendant que je descends, je monte l'autre bras, l'autre jambe. Je monte l'autre bras, l'autre jambe. Je monte l'autre bras, l'autre jambe. Inspire, souffle. Inspire, souffle. Pas trop vite. Inspire, souffle. Et on garde le ventre rentré. Inspire, souffle. Là, ça devient intéressant. Hein. Hop, inspire, souffle. Vous sentez l'engagement au niveau du dos? Inspire, souffle. Ça va bien sûr travailler au niveau des épaules. Tout le haut du corps, on va travailler. Parfait. On prend appui, on pousse. Allez, c'est parti. Quatrième série. On se place. On contrôle la descente ici. Ou alors vous pivotez sur le côté à chaque fois. D'accord? Pour pas vous faire mal au dos. Allez, on monte. On tend et on freine. On pousse. On tend et on freine. Allez, on monte. Ça, c'est le niveau 1. Niveau 2, comme je vous l'ai dit, vous pouvez venir placer les deux mains au-dessus des épaules. Tac. Hop. Hop. Donc, on reste concentré toujours sur l'engagement musculaire, le fait de bien engager les fessiers en haut. Et quand vous tendez une jambe, vous allez essayer de faire en sorte que le toy board soit bien stable. C'est-à-dire pas qu'il bascule en avant ou en arrière. Tac. On reste haut, là ici, tac. Le toy board ne doit pas bouger d'un poil. Ça marche? Parfait. Hop, ça va engager beaucoup plus. Ça va demander beaucoup plus d'engagement au niveau des jambes. On se place assis. Ah, et c'est le twist. Tac, on se place. Hop. Je prends appui. Tiens un coude vers l'arrière, j'allonge la jambe, on souffle, allez c'est bien, expire, hop, allez appuie maintenant un petit peu plus la main sur la cuisse, appuie dessus, appuie, et continuez à vous grandir, et cherchez à sortir la poitrine, d'accord, on ne doit pas être du tout dos rond, tac, on cherche vraiment l'auto-grandissement. C'est bien ça. Parfait. Tout de suite. À plat ventre. On y va. C'est parti. On nage. Hop. Allez, donc niveau 1. Un bras, une jambe. On pose. Et puis après, on fait l'autre bras, l'autre jambe. Niveau 2. On alterne tout de suite. Donc, on aura une phase, en fait, en transition où, eh bien, il n'y a pas d'appui au sol. Inspire. Expire, souffle. C'est-à-dire qu'on ne va pas aller trop vite. On va y aller tranquillement. On inspire, puis hop, on revient. On a presque les deux jambes en l'air, presque les deux mains en l'air. Rien ne touche le sol. Et puis on pose. D'accord? Là, vous rentrez le ventre. D'accord? On allonge toujours la nuque. Faites attention à ne pas trop lever le menton. On garde toujours le menton dans le prolongement de la colonne. Ça marche? Parfait. On pousse. Hop. Allez, on vient se mettre assis. Tac. Donc les pieds sur le toy board. Donc soit vous pivotez sur le côté. Ok. Ou sinon vous attrapez vos cuisses, vous descendez tranquillement dos au sol. On monte le bassin. Hop. Niveau 1, niveau 2. Allez. Et on allonge. Tac. Tac. Et donc, on engage bien les fessiers. Continuez. Hein. On engage bien les fessiers. Puis on essaie de garder le toy board bien droit. En allongeant la jambe, d'accord? Vous sentez ce que ça demande comme engagement au niveau des jambes? Tac, on monte, donc on essaye en allongeant une jambe, voilà, que le toy board ne bascule pas comme ceci, ni de l'autre côté. Tac, on essaie de garder le toy board bien droit, d'accord? Hop, encore. Donc n'oubliez pas, pendant que moi j'explique quelque chose, vous continuez. Hein. Ça marche? On fait la séance ensemble, d'accord? Mais après, vous choisissez votre rythme, les amplitudes et les options utilisées. Allez, on y va, twist. On se place au milieu et on y va. Allez, cherchez à soulever le buste. Expire. Allez, souffle, souffle,
souffle et on appuie. Allez, soulevez la poitrine. Appuie bien la main sur la cuisse. Allez. Encore. Souffle. Souffle. Appuie, hein. Appuie dessus. Hein. Appuyez bien avec votre main. Dernière fois. Parfait. On se place. À plat ventre. Tac. Allez, toujours le menton qui dépasse du toyboard. Et on y va. Allez, on contrôle. Pas trop vite. Là. Donc, on se retrouve avec une face. D'accord? On a bien les deux pieds, les deux mains vraiment décollés du sol. Là. Et on gaine. On essaye d'être bien sûr le plus stable possible au niveau du toyboard. Hein. C'est un petit peu l'objectif ici de travailler avec cet outil. C'est travailler sur un élément instable et de rechercher la stabilité. Allez, gardez toujours le ventre rentré. Essayez d'allonger un tout petit peu plus la jambe maintenant. Essayez d'allonger vos bras également. On allonge le tout. Parfait. On se repousse. Dernière série. On y va? Allez, on termine. On se place. Tac. Allez, on pousse. On monte. Stabilité, niveau 1, niveau 2. Concentration hein, sur cette dernière série, concentration. Hop. Soyez vraiment pleinement concentré sur l'exercice. Hop. C'est pour ça que c'est un bon outil. Car vous êtes toujours obligé de bien vous concentrer. Hop. Pour avoir un bon exercice, une bonne technique. Et puis, recherchez bien sûr la stabilisation. Allez, on gaine. En haut, bien sûr, on engage le plancher pelvien. Hop. C'est le principe de la tornade. Hein. J'en ai parlé déjà dans pas mal de vidéos. Parfait. On pivote sur le côté. On se redresse. On vient se mettre assis. Tac. Allez, poitrine haute. C'est parti, on twist. Et on presse. Soulevez le buste. Allez, allongez votre jambe. Allongez votre jambe. Sentez la poussée des fesses sur le toyboard. Allez. Souffle. Encore. Allez. Appuie. Hein. Appuie bien sur la cuisse avec la main. Dernière de chaque côté. Bien. À plat ventre. Tout de suite. Tac. Hop. Allez, on gaine. La petite bulle d'air. Toujours bien placée. Entre le nombril et le toyboard. On allonge les jambes maintenant. On allonge les bras. Ça va rendre l'exercice un petit peu plus dur. Hop. Et on essaie donc bien sûr de ne pas basculer à droite et à gauche pendant qu'on décolle le bras et la jambe. C'est le défi. Hein. Allez, soyez concentrés. Allongez encore un peu plus les bras. Allongez votre nuque. C'est bien ça, c'est bien. Dernière fois. Parfait. On prend appui. On se redresse. Hop, posez les mains sur le toyboard. Amenez les fesses sur les talons. On se redresse.
Ah, pour basculer un petit peu le toy board vers vous, on pousse sur le toy board, on tend les bras, on arrondit le dos et on recule les fesses un tout petit peu vers l'arrière. Parfait, on se redresse, venez vous mettre assis dessus. Hop, on croise les jambes, on twist, on attrape l'arrière du toy board, une main ici à l'extérieur de la cuisse, on sort la poitrine. Hop, on change de côté. Allez, souffle, 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 souffle. Hop, parfait. Les mains sur les genoux, on monte les épaules. Et on les relâche. Inspire. Et souffle. Une dernière fois. Parfait. Très bien. Très très bonne séance. Comme d'habitude, eh bien, dites-moi ce que vous avez pensé de cette séance. Commentez, likez, partagez. Et moi, je vous dis, bien sûr, à bientôt dans une prochaine vidéo. Allez, ciao, ciao.